chane maze kubikubwira ariko kanyereka kote chumazi nikika mukuka kute shika kunyumbi. À l'occasion de la 30e édition de la Fête de la Musique, l'Institut français du Rwanda, centre d'échange culturel franco-rwandais, a mis en place une formation d'une semaine dispensée par deux DJ professionnels français, messieurs Rémi Veut et Jean-Christophe Couderque du groupe Think Twice. Nari nsanzwe ndi umudije ariko hari byinshi yamuguyeho bitewe n'ibyuma biri hano ntari nsanzwe mbona byanyunguye ikintu kirekire. Nous avons eu l'occasion de se préparer et depuis lundi jusqu'à vendredi je suis prêt et c'est une occasion vraiment pour s'enrichir. Ngendi tayari kabisa niteguye gushyushya abantu nkerekana icyo nagezeho muri formation ya hano. Une dizaine de jeunes Rwandais ont ainsi pu améliorer leur technique et mettre en pratique leur savoir musical dans l'art du mix. Premier concert en Afrique, je pensais pas pouvoir faire ça une seule fois dans ma vie et c'est incroyable. Venir à Kigali ici, dans une maison des jeunes, avec tous ces enfants, c'est juste incroyable. Enfin, c'est ce qu'on voulait faire, on y croyait, on a réussi à mettre l'ambiance qu'il fallait. Enfin voilà. Moi, c'est une des plus belles journées de ma vie. DJ baba Fransa kabisa bararenze baradica neza kabisa baduhaye twemeye harayemo ba DJ badasanzwe bari bacyashya mu Rwanda kabisa rwose wabona ko ari abantu bafite talent y'umuziki. Pour clôturer cette semaine de formation, Think Twice, aux côtés des DJ, ont fait vibrer près de 4000 jeunes à la maison des jeunes de Kimisagara, un quartier populaire de la ville de Kigali. On a surtout échangé toute la semaine. Moi j'ai appris autant avec eux qu'ils ont appris avec nous. On a partagé sur des cultures, sur des points communs avec la musique, parce que ça c'est universel et que je pense que ça c'est bien. Pour unir les gens, c'est vraiment bien.